Affaire Benalla. Des dizaines de personnes protestent près du QG de LREM à Paris. Le 28 juillet, en début d'après-midi, à proximité du siège de La République En Marche, LREM, à Paris, environ 150 manifestants sont venus faire part de leur colère contre l'exécutif dans le sillage de l'affaire Benalla. Ils répondaient à l'appel de plusieurs organisations, dont le nouveau parti anticapitaliste, NPA, Front Social, le collectif Urgence Notre Police Assassine ou encore Sudpost 92. Alors je spécifie également, il y a l'opposition qui s'est exprimée sur les réseaux sociaux à ce sujet-là. Sur place, parmi les manifestants, un syndicaliste de La Poste a appelé à unifier le Front Social, comme a pu le constater un reporter de RT France. Je cite « TF1, le nouveau juge d'instruction nommé le 27 juillet ». Pouvait-on également lire sur la pancarte d'un manifestant dénonçant l'intervention d'Alexandre Benalla sur la première chaîne française, dont l'abus est dangereux pour votre santé mentale. Fin de citation. L'affaire Benalla est en train d'engendrer une crise politique. On fait valoir les organisations à l'origine de l'événement, appelant à intervenir et ne pas rester muet face à cette situation et à se rassembler contre les violences d'État et les violences policières. Un autre rassemblement anti-Macron était prévu le jour même à 19h aux Champs-Élysées à l'appel des administrateurs de la page Facebook, je cite « Dégageons Macron ». Mais seule une trentaine de manifestants a répondu à l'appel, comme l'a constaté le reporter de RT France. Ciao.